défaite ce soir dans un derby. Oui, une défaite très amère quand même. À mon avis, les gens vont se dire un peu, je me répète un peu chaque semaine. Mais aujourd'hui, voilà, bon, ils ont bien commencé le match. Pendant 10 à 15 minutes, la première mi-temps, on n'était pas assez dur dans les duels. Ils étaient très physiques, ils venaient nous chercher et ils en voulaient. Donc le ballon, les contres, ça sourit aux audacieux. Donc voilà, comme je dis, et ici, nous, on était un peu amorphes. Et puis après, quand on a ramassé le 2-0, on a commencé à se réveiller un petit peu. Et puis, on est revenu à 2-1 à la mi-temps. C'était de bon augure. Et puis après, je regarde la deuxième mi-temps. On a énormément d'occasions, encore une fois. Et eux, ils ont marqué des goals. Maintenant, attention, c'est une très, très bonne équipe. Ils sont vraiment très, très, très bons. Je suis déçu aujourd'hui. Je vais pas parler d'autre chose. Mais c'est les plus... Allez, c'est les plus efficaces qui ont gagné le match aujourd'hui. À un certain moment du match, tu reviens de 1. J'ai cru qu'on allait revivre le scénario de Boken, mais à l'inverse pour toi cette fois-ci. C'est ce que j'ai dit à la mi-temps. On a l'habitude de mener à tous les matchs. Ici, on était battu à la mi-temps, c'est très rare. Et je leur ai dit, ben voilà la situation inverse, ça m'a rangé moi. Voilà, si aujourd'hui, en deuxième mi-temps, et malheureusement, ça n'a pas été le cas, c'est pas, on ne va pas dire que les joueurs étaient fatigués, ni qu'on n'a pas eu les occasions, parce qu'on a eu, malheureusement, on n'a pas tué. Allez, devant le goal, on a des occasions en or. Et le gardien a fait un grand match aussi. Le gardien, mais c'est quand même nous qui avons fait en sorte qu'il fasse un grand match. Et ça, c'est la différence aujourd'hui. Le fait que Anus était leader, ça n'a pas mis une pression supplémentaire sur l'Atlas? Que du contraire. Mon équipe, ils préfèrent jouer contre s'ils pouvaient jouer contre les leaders toutes les semaines, je pense que ça arrangerait tout le monde. Voilà. Je savais bien qu'aujourd'hui, avec des matchs comme ça, quand vous jouez des matchs comme ça, vous n'avez pas besoin de motivation. Ils n'en avaient pas besoin sur le terrain aujourd'hui. Hein. Il n'y avait aucune pression de ce côté-là. Un match qui s'est déroulé à une très grande vitesse quand même aujourd'hui, Mousse. Oui, par moment. C'était à haut niveau. Par moment. Mais c'est le top de la Première Nationale ici à la Ligue. Et malheureusement, pas toujours agréable. Des petits arrêts de jeu. Des petits soucis que je ne vais pas commenter. Les gens commenteront. Chacun son jugement. Parce que voilà, j'ai parlé il y a 2 semaines de l'arbitrage. J'en parlerai pas aujourd'hui. Donc voilà, c'est le football. C'est le football, c'est le futsal, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut vivre à Paris. Il faut savoir gagner. D'une manière ou d'une autre. Il faut savoir perdre aussi. Il faut savoir perdre aujourd'hui. C'est une très bonne équipe. On n'a pas à rougir aujourd'hui. Je suis déçu de la défaite par la manière. S'ils nous auraient survolé, ma foi, j'étais prêt après 10 minutes de jeu, quand ils ont mené 2-0. J'étais prêt à me dire, on jouait comme ça, ils jouaient comme ça. Il n'y avait pas photo, hein. Ils étaient au-dessus. Après, vous suivez le match, vous regardez le match, vous voyez qu'il y a de quoi être déçu. Et je suis déçu aujourd'hui. Merci Mousse. On ne peut pas dire que tout est négatif, parce que tu fais quand même une bonne première partie de championnat. Tu restes, je pense, 4e ou 5e, malgré la défaite de ce soir. Donc, il y a quand même encore un truc à aller chercher en fin de championnat. Comme on a dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Oui, c'est à la fin du bal, qu'on paye les musiciens. Maintenant, on a quand même perdu des bêtes points pendant ici le premier tour. Il nous reste encore 2 matchs. Ça dépend de comment on va négocier ces 2 matchs, ces 2 prochains matchs. Si on les négocie bien, on sera dans le bon. Si on ne les négocie pas bien, ce sera un peu plus compliqué. Mais on ne déposera jamais les armes avant l'heure. Alors j'espère que je ne te porterai pas encore la poisse, parce que une fois au Boken t'es battu, une fois ici t'es battu. Si c'est pour que tu sois battu, je ne viens plus. Ne tracasse pas de ce côté-là, j'ai aucune superstition. Donc je ne suis pas croyant du tout à ces trucs-là. Il n'y a pas de problème, tu peux venir chaque semaine, t'es le bienvenu. Merci Mousse. Merci à toi.